Laurent Châtelchet connaît bien les virus d'origine animale, notamment celui de la dengue et le Zika, qu'il étudie pour mieux les comprendre. Selon lui, il suffit de regarder la séquence génétique d'un virus pour voir qu'il n'a pas été créé par l'homme dans un laboratoire. Et la COVID-19 ne fait pas exception. L'unité fonctionnelle qui nous intéresse ici, c'est ce groupe de gènes qui code pour des protéines qui vont former les nouveaux virus. Et notamment cette protéine-là qui s'appelle Spike, qui est à la surface du virus, et c'est elle qui permet l'entrée du virus dans une nouvelle cellule. Et quand les gens ont commencé à regarder les premières séquences de ce virus-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une région qui était très 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 intéressante, mais qui contenait des éléments qui étaient inhabituels pour un coronavirus. Il y avait des ressemblances avec certains éléments du VIH et tout ça. Alors les gens commençaient à spéculer que peut-être ça aurait été intégré par l'homme. Alors qu'en fait, d'autres séquences semblables de coronavirus circulaient déjà chez d'autres animaux. C'est quel numéro de SH ? Je pense que la nature est bien meilleure que l'homme pour faire des virus pathogènes, l'histoire de l'humanité l'a prouvé. Nous, on est très bons pour répondre aux défis, mais créer un pathogène de toutes pièces, pour moi, c'est de la science-fiction. La théorie selon laquelle la Covid-19 ait été fabriquée par des scientifiques trouve son origine dans ce laboratoire chinois de Wuhan, la région où tout a commencé. Le laboratoire est classé niveau P4, avec des mesures de sécurité les plus exigeantes du monde. Dans ces laboratoires, on va garder des souches extrêmement virulentes de virus ou de bactéries. Il y en a un au Canada qui est à Winnipeg. Le laboratoire chinois possédait-il donc le virus ? Il y a peut-être un travail de surveillance qui a été fait par les autorités chinoises pour voir les virus circulant dans la faune avoisinante. Et peut-être que ce virus-là avait été identifié et après cultivé. C'est aussi une possibilité. Alors, y aurait-il pu y avoir une fuite au laboratoire ? C'est peu probable, selon le chercheur. Même moi, dans mon laboratoire, je travaille des virus qui ne doivent pas sortir du laboratoire. C'est pour ça qu'on a des règles de biosécurité. Dans un laboratoire P4, il faut quand même savoir que les gens sont quasiment dans des combinaisons d'astronautes qui sont sous oxygène. Il y a des règles très très strictes. L'hypothèse de l'origine du virus la plus probable proviendrait pour l'instant d'un endroit pas très loin du laboratoire de Wuhan, dans un marché public. Ça se trouve être le supermarché des pauvres. Sylvain Kessy est professeur en études vétérinaires. Dans le cadre de son travail, il a visité plusieurs de ces marchés publics en Asie, qu'on appelle marchés humides. Les gens qui sont en campagne, il n'y a souvent pas d'épicerie ou de supermarché. Donc, dans ces endroits-là, c'est clair que c'est la seule façon dont les gens peuvent s'approvisionner. Les wet markets, ou marchés humides, font partie de la tradition alimentaire en Asie. Dans la majorité de ces marchés, on trouve des fruits, des légumes, de la viande fraîche et des fruits de mer. Cependant, dans certains d'entre eux, on y achète des animaux exotiques, comme des serpents, des rats, des paons, des porcs-épics ou même des pangolins. On les appelle marchés humides parce que, comme il n'y a pas de réfrigération, les marchands arrosent leurs produits d'eau et de glace pour essayer de les garder au frais. Ils sont de véritables nids à virus. Avec une promiscuité entre l'humain, des espèces domestiques et des espèces plus exotiques ou sauvages. Donc, c'est une écologie absolument idéale pour que des virus puissent s'échanger entre des espèces qui, normalement, ne devraient pas coexister ensemble. Et cette cohabitation inhabituelle favorise la transmission du virus d'une chauve-souris, par exemple, vers un porc ou un pangolin dont les récepteurs ressemblent à ceux de l'homme. Depuis la pandémie de COVID-19, la pression internationale pour que la Chine ferme ses marchés est énorme. Mais le défi est insurmontable, selon Sylvain Kessy. Les autorités sanitaires tolèrent ces établissements-là parce que c'est indispensable pour que les gens aient accès à la nourriture. Donc, on ne pourrait même pas penser à les fermer. C'est un élément clé de l'approvisionnement des populations. Il faut donc s'attendre à d'autres pandémies dans le futur. Ça sera définitivement pas le dernier virus auquel on va devoir s'habituer. Ainsi, tant que la communauté internationale ne se penchera pas sur le contrôle de ces virus d'origine animale, avant qu'ils n'arrivent à l'humain, la santé mondiale sera toujours en rattrapage. C'est souvent comme ça, ce sont des virus qui franchissent des barrières d'espèces.